concerne la santé, le plan de transition des Verts doit comporter la souveraineté européenne concernant le béaba de la protection des citoyens européens. Regardez au niveau de la crise du coronavirus. On a manqué de masques, on a manqué de tests, on a manqué de protection au niveau des habits et on a manqué aussi de médicaments. C'est-à-dire qu'on a fait confiance au marché, on a fait confiance à la mondialisation, le moins disant, le moins cher, et on n'avait plus le minimum pour assurer la sécurité sanitaire des citoyens européens. Donc il faut absolument qu'on réindustrialise à la fois les États membres et aussi l'Europe dans sa globalité. Et en même temps, il faut qu'on ait des laboratoires publics, des établissements publics qui fabriquent la matière active permettant de fabriquer les médicaments. Si toute la matière active, elle provient de Chine ou d'Inde, eh bien, on n'aura pas de souveraineté sanitaire. Et sur la recherche, il faut absolument que si on donne de l'argent public au niveau de la recherche, eh bien, on ait la possibilité de ne plus avoir la propriété intellectuelle au niveau des laboratoires pour avoir un accès à tous de tous les médicaments, dont les vaccins.